Début 2020, c'est l'arrivée du confinement. Période un peu compliquée pour beaucoup, mais c'est aussi l'explosion de Weshden. Alors qu'elle était encore inconnue quelques semaines avant, elle devient l'artiste la plus streamée du moment. Anissa bat tous les records. Alors comment 3 ans plus tard, aujourd'hui en 2023, on a tous oublié Weshden? C'est peut-être un peu cru de dire ça, mais c'est la vérité. Elle a sorti un album il y a pas longtemps que pratiquement personne n'a écouté. Les chiffres mentent pas, j'ai vu personne parler de cet album. Et elle-même a dit être déçue des scores. Au-delà de ça, elle s'est jamais pris autant de dislikes qu'aujourd'hui. Même à l'époque d'Anissa, c'était pas à ce point là. Les gens sont aujourd'hui lassés de Weshden, une partie même la déteste. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On va voir ça ensemble. Les gars, j'espère que vous allez bien. Nouveau décor, nouvelle caméra, nouveau logo, nouvelle bannière. J'ai investi, mais bref, perdons pas de temps, c'est parti. Avant de parler de sa chute, faut qu'on parle de son succès. On sait à peu près tous comment Weshden a fêté, mais c'est important de comprendre que lorsqu'Anissa sort, Weshden a que 15-16 ans, et c'est l'un de ses premiers sons. Pourtant, le titre a littéralement explosé, devenant plus que viral sur chaque réseau, chaque plateforme, notamment TikTok. On pourrait dire que c'est une chance de fou, que jamais Weshden n'aurait pu s'attendre à tout ce buzz, mais la vérité, c'est que tout ça était très réfléchi. Weshden savait très bien tout ce qui allait se passer, et particulièrement la personne dans l'ombre qui est derrière tout ça, Feneu. Pas besoin de le présenter, vu que vous savez tous à peu près qui c'est, mais par contre, je pense que pour beaucoup, vous avez pas conscience de l'importance qu'il a dans tout ça. À la base, Feneu, c'est un mec qui vend des sapes. Vous connaissez Get l'Ascension. Plus rapidement, ça va devenir une chaîne où il invitera des rappeurs pour clipper. Ce qui lui permettra d'ailleurs de lancer son premier label, Get Music. C'est là qu'il signera ses premiers artistes, notamment Weshden, avec tout un plan qu'il a en tête. Comme je l'ai dit à ce moment-là, Weshden est encore jeune. Alors le but de Feneu, c'est pas de la faire connaître à ceux qui ont 30-35 ans. Non, son but, c'est que ça soit ceux qui ont 12 à 18 ans qui la connaissent. Et pour ça, faut pas faire du R&B, faut faire des sons pour enfants. Lui-même le dit, des sons qui rentrent bien dans la tête, des comptines. Hey Weshden, j'ai pas envie que tu fasses du R&B, j'ai pas envie que tu fasses du zouk. On va faire des comptines, on va faire des sons pour enfants. Tu vois ce que je veux dire? On va faire des sons qui restent dans la tête. J'ai pas envie que tu sois Zao ou Amel Bent. Okay. Non, t'as 16 piges, tu vas rapper pour les petites de 14 ans. Tu vois, c'était ça la mentale. Dès le départ, le public est ciblé et c'est un choix qui est notamment encore plus stratégique vu qu'à ce moment-là, on est en 2020, on est en plein confinement et c'est l'expansion de TikTok. Bref, maintenant on a le profil, une ado de 15-16 ans, Weshden, dont une grosse partie de son public pourra s'identifier. Elle sait bien chanter, mais faut réussir à les écrire ces comptines. C'est là qu'on comprend que Feneu a bien plus qu'un rôle de manager dans tout ça, vu que c'est lui-même qui écrira tous les sons de Weshden, il lui fera même ses top lines. Faut vraiment voir Weshden comme une marque qui est du point de vue extérieur et représentée par elle, par Weshden, mais en interne, en réalité, en plus de gérer la promo, c'est Feneu qui est derrière tous les sons. Ça me tabasse de me dire que c'est lui qui a écrit Je t'aime de ouf. Je t'aime de ouf, je crois que je t'ai dans la peau, même le matin t'es beau. Donc t'es un mec bizarre toi. T'es pas un bonhomme, toi, tu t'assois pas à notre table. À la base, c'est même pas un rappeur, encore moins un chanteur. Anissa, c'est le tout premier texte qu'il écrit de sa vie, qu'il a d'ailleurs fait en 10 minutes. Le son est avec du recul, je veux pas dire qu'il est ridicule parce que c'est ça qui a fait qu'on est là, mais c'est pas un son recherché. Le son, je crois que j'ai écrit en 10 minutes à un feu rouge. Bref, Anissa sort, et vous connaissez le succès que va avoir le son. Le plan se passe comme prévu, alors Feneu va fêter ça. Peut-être un peu trop, vu qu'il va beaucoup boire, beaucoup fumer, il plonge dans le coma. Faut que vous captez le contexte, Weshden est en train de devenir l'artiste numéro 1 du moment pendant que Feneu est à l'hôpital entre la vie et la mort. Ça veut dire pendant qu'il était numéro 1 sur TikTok partout, je n'étais pas présent. Ça veut dire Weshden n'était même pas heureuse. Son producteur, il est mort là, de quoi on parle? Ça veut dire tout le monde est content, tout le monde la clash, tout le monde si. Mais moi je suis mort là, tu vois ce que je veux dire? Heureusement, au bout de 2 semaines, il se réveillera et direct, le charbon pour reprendre. Très peu de temps après, il balance le clip qui aujourd'hui a plus de 100 millions de vues. C'est une dinguerie. Suite à ça, ils enchaînent avec Coco. Et je me rappelle que quand c'était sorti, tout le monde disait que c'était une copie d'Anissa, que Weshden s'était auto-plagié. 3 ans après, on apprend que Feneu a volontairement voulu garder la même recette. Coco? On prend la même top line. On se cache pas. Ça a marché une fois. Mais tu vois ce que je veux dire. Tout ça va les amener à sortir un premier album, 16, vu qu'il y avait tout un mystère autour de l'âge de Weshden. Un premier projet qui va faire de très bons scores, sans rentrer dans les détails. Elle va enchaîner avec une réédition, une tournée, quelques singles. Même si c'est pas autant que lorsqu'elle avait explosé, elle continuera tranquillement à marcher, mais sera un peu moins présente qu'avant. Alors le 15 juillet 2022, Weshden annonce son retour avec Re, et c'est le début de la chute. Ça se voit, Weshden commence à vouloir faire des sons plus sérieux, qui s'éloignent des comptines qu'elle pouvait faire avant, même si bon, les paroles sont toujours aussi nulles. Tes soucis, c'est pas mon souci, mes amis sont pas tes amis. Bah j'essaie de
d'avoir l'écriture la plus belle possible et les mots les plus justes, quoi. Et quand je vous dis que ce retour, ça a été le début de la chute, c'est parce que la vérité, ça a été un gros flop. Rien qu'au niveau des stats, on voit qu'il y a beaucoup moins d'engouement autour d'elle, mais surtout, elle s'est pris tellement de retours négatifs. Dites-vous, il y a 3 fois plus de dislikes que de likes. C'est une dinguerie. À la même période, il y a Ben2z qui est en pleine expansion, il sera mis en contact avec Weshden et les deux feront un feat. Le clip sort et ça bouge pas. Le son prend pas une grosse ampleur. On retient surtout le couplet de Ben2z, un peu moins Weshden. Et c'est pareil, elle se reprend masse de dislikes. Faut dire aussi que Fenu est de moins en moins impliqué dans la carrière de Weshden. 2 mois après ce son, on apprendra qu'il se retire complètement du milieu de la musique. Il veut pas être réduit à être simplement le producteur de Weshden. Il a d'autres objectifs. Ça faisait un moment qu'il voulait s'éloigner de tout ça, mais il a réellement pris cette décision après avoir perdu un proche de son quartier en octobre dernier. Et il va d'ailleurs beaucoup plus se rapprocher de la religion. De son côté, Weshden lâche rien. Il y a toujours des personnes qui l'entourent, qui l'aident, mais elle a maintenant beaucoup plus de responsabilités. 16 décembre 2022, elle sort son 2e album, Glow Up, 1400 ventes en première semaine. Littéralement, c'est 10 fois moins que son album précédent. Alors que pour beaucoup, il est largement meilleur. Weshden a réellement glow up, on peut le dire. Alors pourquoi tout le monde est passé à côté? Déjà en 2 ans, Weshden a grandi. Je ne pense plus du tout pareil. Il y a plein de choses qui ont changé. C'est bizarre, je vois plus la vie comme je la voyais il y a 2 ans. J'ai plus du tout la même mentalité. C'est trop bizarre, mais on grandit. À vouloir faire des sons plus sérieux, moins tiktokables, forcément le public plus jeune qu'elle avait jusqu'à présent suit moins. Le problème, c'est que c'était eux qui en grande partie poussaient les sons en faisant des trends, les faisant monter en radio. Ce qui faisait que nous, qui ne sommes pas à la base auditeur de Weshden, on se retrouvait à écouter ses sons un peu involontairement. C'est ce qui s'est clairement passé pour Anissa, et à plus petite échelle pour les sons qui ont suivi. Là, pour cet album, il n'y a pas eu tout ça. Quand t'as un artiste qui fait parler mais qui a pas forcément une fanbase solide, une autre manière de mettre en avant un projet, c'est évidemment de faire de la promo, faire des interviews. C'est quelque chose qui a très bien marché pour le premier album. Elle avait fait beaucoup d'interviews, des vidéos avec Inox et Michou qui ont explosé. Vu qu'elle était encore nouvelle, il y avait plein de mystères gossip autour de son âge, avec qui elle était en couple. Bref, tout ça, c'était en grande partie un gros travail de Feneu. C'est pour ça que je vous dis que c'était pas simplement son manager, mais là on sent qu'il a été beaucoup moins présent sur ce projet. L'album sort, mais il y a eu peu de médias qui l'ont poussé. Weshden a balancé un premier clip, puis un second le jour de la sortie, qui pareil, ont sûrement pas eu l'impact qu'ils attendaient. Et encore une fois, je passe tous les dislikes, tous les commentaires négatifs qu'elle s'est pris. Bref, actuellement Weshden est pas dans la meilleure des situations. Que va être le futur? Déjà, faut savoir qu'un mois après la sortie de l'album, Weshden a elle-même dit être déçue des scores. Elle en a rapidement parlé en story Insta. Elle s'attendait à mieux, mais elle lâche rien. Elle dit que les hauts et les bas, ça fait partie de la carrière d'un artiste. Elle a aussi précisé qu'elle a masse d'idées, que rien n'était terminé à avoir dans le futur. De l'autre côté, je vous ai pas précisé quelque chose. En 2022, quand Anissa sort, c'est un succès, on a rarement vu un artiste autant exploser d'un coup. Tout ça représente forcément beaucoup d'argent, donc tous les labels veulent Weshden. Fenu avait conscience que ce buzz allait peut-être pas durer des années, alors il a fait en sorte que Weshden signe un gros contrat sur 3 projets, ce qui fait que Weshden est toujours signé dans le label de Feneu, mais à côté les deux sont aussi en contrat avec Universal. Et la somme qu'ils ont pris pour le premier album pendant Anissa, c'est la même que ce qu'ils ont pris pour le nouvel album Glow Up. Et dans le futur, quand Weshden sortira un 3e projet, même s'il flop, elle reprendra toujours cette même grosse somme. Bref, Feneu est vraiment fort. Niveau moula, ils sont normalement tranquilles, mais maintenant, à voir si Weshden va réussir à perdurer dans le temps, dans ce milieu compliqué qu'est la musique. Ciao. Yeah, wow. Passe-moi la chou que je passe.